Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène prendre les transports en commun et bosser chez Keolis Rennes, un acteur de notre quotidien et une entreprise qui recrute énormément en ce moment. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour Jérémy, bienvenue à Keolis Rennes. Ben merci beaucoup, je vous présente Laurent Sénigou, le directeur général de Keolis Rennes. Alors il paraît que tu recrutes beaucoup en ce moment, que tu as plein de jobs pour moi. On a plein de jobs effectivement, je te propose de monter à bord et faire un bout de chemin ensemble pour en discuter plus longuement. Eh ben super, merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour. Laurent, merci beaucoup pour l'accueil au cœur de ce bus. Ben je t'en prie. Électrique en plus. Électrique. Alors explique-moi d'abord ce que représente Keolis Rennes aujourd'hui. Alors Keolis Rennes est une filiale donc à 100% du groupe Keolis. Donc, il y a un opérateur en fait mondial de mobilité. Bien connu. Voilà. Et le but du jeu, c'est d'accompagner donc Rennes Métropole dans l'évolution de sa mobilité, construction d'une deuxième ligne de métro, des bus électriques pour assurer la transition énergétique et plein d'autres solutions pour essayer de régler des problématiques de congestion. Et on va en découvrir une tout de suite en quittant le bus. Et quels sont les chiffres clés de l'entreprise aujourd'hui? Keolis Rennes, c'est 130 millions de chiffres d'affaires. 1100 collaborateurs, plus 300 à 400 collaborateurs chez les sous-traitants, parce que les sous-traitants sont très importants sur le réseau de bus, notamment. En termes de fréquentation, c'est 340 000 voyages par jour, 40% okay. Sur la ligne A du métro. À terme demain, ça sera beaucoup plus, avec 60% de la fréquentation sur les deux lignes de métro. 8000 abonnés au service de vélo en libre-service Vélostar, 4000 vélos à assistance électrique en location, et puis 2000 bénéficiaires du service Handistar, qui est le service dédié aux personnes à mobilité réduite. Et j'entends dire que tu recrutes beaucoup en ce moment, c'est ça? Sur quel métier et pourquoi? Oui, on a effectivement recruté 110 personnes en 2018. On prévoit d'en recruter 130 en 2019, donc principalement des conducteurs, mais aussi des agents de maintenance bus okay. Dans les ateliers. Et puis après, des profils plus spécifiques pour accompagner la ligne B du métro. Lesquels? Voilà, alors on va avoir des électromécaniciens, des automaticiens, okay. Des électriciens en fait sur la partie maintenance et des opérateurs PC pour la partie exploitation. Bon, et ça représente combien de métiers dans l'entreprise? Alors c'est 100 métiers différents dans l'entreprise qui sont à la fois techniques et commerciaux. Tout cela pour assurer en fait le service qu'on doit aux clients, donc les transporter en toute sécurité d'un point A à un point B dans la métropole. Défi très ambitieux qu'on doit relever tous les jours. Bon, et les qualités qu'il me faut finalement pour bosser dans ton équipe? Alors un état d'esprit, donc aimer rendre service, être attention aux clients parce que c'est une mission de service public. De l'engagement et de la rigueur parce qu'on a beaucoup d'éléments qui sont liés à la sécurité. Et puis okay. Être créatif, imaginatif parce que les métiers du transport public vont beaucoup évoluer dans les années qui viennent et il faut savoir être à l'aise avec ça. Super. Keolis, c'est l'entreprise qui exploite le réseau Star pour le compte de Rennes Métropole. Alors les deux, ils sont complémentaires et la grande réussite de Rennes, c'est d'avoir fait exploser la fréquentation du réseau de bus à l'ouverture de la première ligne de métro. Les deux, Rennes et Saint-Malo, sont indissociables et c'est la même chose pour le groupe Keolis qui exploite les deux réseaux. Des navettes autonomes, un métro automatique et même des bus électriques. Mobile, on est dans le transport. Les stars, ce sont tous les salariés de Keolis Rennes. Bon Laurent, merci beaucoup pour ce voyage instructif. Merci d'être venu nous rendre visite et je t'invite à aller rejoindre tes collègues avec le vélo en libre-service. Super, merci beaucoup. En plus, j'ai pas trouvé le café dans le métro, donc je vais aller partager un café avec eux et avec vous aussi pour une série d'épisodes à suivre. Allez, ciao. À bientôt. Au revoir. Voilà, tu m'éblouis. Le star m'éblouit.